J'espère que vous pétez la forme aujourd'hui. Aujourd'hui les gars, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Et pour cette toute nouvelle vidéo les gars, aujourd'hui je vais vous parler de Forza Horizon 6 les gars. Et oui, Forza Horizon 6. Parce que Forza Horizon 5, ça fait un peu plus de, je sais pas combien de temps qu'il a été sorti le jeu. Mais je me suis dit peut-être Forza Horizon 6 ça va bientôt arriver quoi. Du coup, pourquoi pas parler de Forza Horizon 6 et qu'est-ce que je voudrais avoir sur Forza Horizon 6 les gars. Alors tout d'abord les gars, la première chose que je voudrais avoir sur Forza Horizon 6, c'est une grande ville avec des grands immeubles en fait. Une grande ville comme Tokyo les gars, je rêve de Tokyo dans Forza Horizon 6 les gars. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, ça serait un truc de malade quoi. Genre avec des voitures de drift là. Oh là, le truc de dingue. Bon, je sais que Forza Horizon 5 sont pas basés sur Tokyo ou voilà, mais franchement ça serait pas mal parce que déjà en fait Forza Horizon 5 ça me saoule en fait parce qu'il y a trop de campagnes, il n'y a pas beaucoup d'immeubles à part la ville quoi qu'il y a dans le nord dans le nord-est je crois, c'est ouais dans le nord-est quoi. Il y a une ville en fait, il y a cette petite ville, mais à part ça, il n'y a que des arbres autour, etc. Franchement, c'est ça que je veux, une grande ville. Voilà. Franchement, ça c'est trop bien. Ensuite, les gars, ce qui serait cool sur Forza Horizon 5, c'est un peu plus de RP. C'est-à-dire, en gros, j'aimerais bien que, par exemple, Forza Horizon 5, pour les voitures, ils mettent un réservoir d'essence et qu'on mette de l'essence à chaque fois qu'il n'y ait plus d'essence. Ça serait trop cool, les gars, ça, pour faire du RP. Même, je sais pas, sortir du véhicule. Franchement, ça serait trop bien sortir du véhicule. Un peu en mode GTA, vous voyez ce que je veux dire? Bon, sans les armes, franchement, sans les armes. Mais voilà, en mode GTA, tu sors du véhicule, tu te balades avec tes potes et tout ça. Oh, ça serait mortel, les gars, ça. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, de ce que je suis en train de dire, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire de ce que vous en pensez. Ça serait trop cool, en vrai, que Forza Horizon 6... font ça quoi. Ensuite les gars, il y a une troisième chose aussi que j'aimerais que Forza Horizon 6, que Forza du moins, Forza, je vais pas dire Forza Horizon 6 parce que vraiment c'est pas ça leur truc quoi, c'est juste Forza quoi. Je voudrais que Forza en fait sorte plus de véhicules français les gars, plus de véhicules français, c'est à dire Peugeot, Renault, Citroën, mais ça serait trop un truc de malade quoi. Genre je veux dire, tu te balades avec une Peugeot, avec une Citroën, une Renault, une Clio, mais ça serait trop balèze le jeu les gars, ça serait trop bien qu'ils fassent ça. Bref les gars, je sais que ça fait pas beaucoup de choses, mais déjà trois choses les gars que Forza devrait ajouter, c'est juste ces trois choses que je viens de vous parler. Franchement, imaginez-vous juste ces trois choses que je viens de vous parler. Déjà Forza, il ferait un truc de fou quoi, genre je sais pas. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi en commentaire les gars, ça me ferait super plaisir. Bref les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner aussi les gars, ça me ferait super plaisir. On arrive bientôt aux 1000 abonnés et c'est grâce à vous les gars que j'arrive à avoir bientôt les 1000 abonnés, merci à vous. Bref les gars, moi je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo, c'était Brian, allez peace.